C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse. Elle ne l'est que pour les criminels, mais... Après déclaration unanime du jury faisant droit, déclare la citoyenne Capet coupable de complot, d'intelligence avec les ennemis de la France et de conspiration tendant à troubler l'État par une guerre civile. En conséquence, conformément aux articles du Code pénal se rapportant aux délits avérés, l'accusé est condamné à la peine de mort. Le 16 octobre 1793, Samson, le bourreau, assistait à la lecture de la sentence. Marie-Antoinette comprit qu'elle allait mourir ce jour-là. On la fit monter dans une vulgaire charrette, on la scie, tournée vers l'arrière. En signe d'infamie, elle devait aller à la mort, à reculons. La foule hurlait. Prends ses cheveux, tu les brûleras. Il n'en reste rien. On pourrait en faire des reliques. À la prison de la Conciergerie, à la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde, le trajet dura 1h30 pour un peu plus de 2 km. 1h30 de cris, d'insultes, de vociférations. Elle avait 37 ans. Elle était reine de France. Elle n'était plus rien qu'une reine déchue. Qu'avait-elle fait pour mériter cette fureur? Quelle était sa faute? Où était le peuple? Ce peuple qui l'acclamait jadis, était-il le même? Des cris de joie l'avaient accueillie à son arrivée en France. Elle était une petite princesse autrichienne qui ne connaissait rien de la vie. Elle venait épouser le dauphin Louis-Auguste, que bien évidemment, elle n'avait jamais rencontré. Elle n'était qu'un pion dans le jeu politique. L'Autriche et la France avaient décidé de se réconcilier. Elle était le gage de cette paix nouvelle. Un très joli gage. De Strasbourg à Paris, une immense ferveur populaire l'avait accompagnée. Enfin, c'en était fini de la guerre avec l'Autriche. Marie-Antoinette était un cadeau du ciel. Quel bon peuple que les Français. Je suis reçue ici comme si j'étais une enfant chérie qui revient chez elle. Seulement, on me fait trop de compliments. Cela m'effraie parce que je ne sais comment je pourrais les mériter. J'avais déjà bien du penchant pour les Français, et sans tous ces compliments qui montrent qu'ils attendent trop de moi, je sens que je serai à mon aise avec eux. Marie-Antoinette arrivait à Versailles. Plus de 3000 princes, ministres, courtisans et serviteurs y séjournaient en permanence, allant et venant, parmi les quelques 700 pièces du château. C'était à vous donner le tournis. Pour l'heure, la future reine de France était l'objet de toutes les curiosités, bienveillantes ou malveillantes. Qui était cette Madame du Barry ? D'où venait cette favorite de Louis XV qui se comportait en reine? Seul le bon plaisir du roi comptait. Marie-Antoinette entrait dans un monde fermé avec ses codes, ses usages, son étiquette. Dans ce pays-ci, Louis XV, le grand-père du dauphin, vivait en monarque absolu. Et on célébrait son culte comme une religion. Ce mariage entre le dauphin et Marie-Antoinette avait été concocté par sa mère, Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, et Choiseul, ministre du roi de France. L'Autriche s'inquiétait de la montée en puissance de la Prusse et la France de l'ambition de l'Angleterre. Devant ce double péril, la France et l'Autriche devaient sceller une alliance.
Mais cette alliance ne faisait pas l'unanimité. Avant même de mettre le pied à la cour, Marie-Antoinette avait déjà contre elle tous ceux qui voulaient reprendre la guerre. Bien sûr, on la trouvait jolie. Bien sûr, on admirait sa grâce. Et sous les sourires officiels se dissimulaient tous les soupçons. Elle était et restait une archiduchesse d'Autriche. Elle se lia rapidement d'amitié avec le roi Louis XV, séduit par sa jeunesse et sa gaieté. Vous êtes contente de votre installation ? Absolument. Versailles est magnifique. Vous ne vous sentez pas trop seule, si loin de votre famille ? Mais je vous ai près de moi. J'espère que Louis Auguste n'est pas jaloux. L'innocente jeune fille ne mit pas longtemps à comprendre que sa mère Marie-Thérèse, qui détestait la légèreté française, avait raison sur ce point. Versailles était la cour la plus corrompue d'Europe. Les idées qui y circulaient scandalisaient l'impératrice. Les philosophes des Lumières remettaient en cause la religion et les principes de la monarchie absolue. Marie-Antoinette ne pouvait supporter le règne de Madame du Barry. Qu'on laissât à la cour une favorite, ancienne prostituée, faire la pluie et le beau temps, était inacceptable. Marie-Antoinette décida de faire front et de ne jamais lui adresser la parole. On a beau être dauphine de France, mais on n'est pas moi quoi qu'on fasse une étrangère. Je ne sais si je me trompe, mais autour de moi, on a l'air de s'en souvenir. Il n'est pas aisé de contenter tout le monde. Le roi tenta de l'amadouer en lui rendant Versailles le plus agréable possible. À ses côtés, Marie-Antoinette fit la connaissance de ses deux beaux-frères. Madame, laissez-moi vous présenter vos frères. Le comte d'Artois. Futur Charles X. Et le comte de Provence. Futur Louis XVIII. Madame la dauphine, soyez la bienvenue à Versailles. Madame. Elle rencontra aussi ses tantes, les filles du roi Louis XV, qui ne s'étaient jamais mariées. Madame Adélaïde. Madame. Madame Sophie. Madame. Et Madame Victoire. Madame. Mélas du Barry. La cour se passionnait, prenait des paris. La dauphine allait-elle enfin lui adresser la parole ? Marie-Antoinette tenait bon au risque de mécontenter le roi. Et la du Barry, vexée, humiliée, se répandait en perfidie de plus en plus malveillante. Sûre de son bon droit, mais seule au milieu de cette cour, Marie-Antoinette n'avait que sa mère. Une mère qu'elle aimait et craignait. Une mère impératrice qui la faisait surveiller par son ambassadeur à Versailles, Mercy d'Argenteau. Il pleut dans le moment où je vous écris. C'est sûrement la du Barry qui leur a permis. On m'a fait souper avec elle et elle a pris un ton à demi respectueux et embarrassé auquel je n'ai prêté aucune attention. Marie-Antoinette n'imaginait pas combien sa situation était fragile. Mariée, certes, mais encore sans héritier, tout pouvait arriver. Dans cet univers futile, refuser obstinément de parler à la du Barry devenait une affaire d'État. L'impératrice Marie-Thérèse y mit bon ordre. Il était hors de question de mécontenter le roi, il fallait parler à la du Barry. À chaque rencontre, la tension se faisait plus aiguë. Il y a bien du monde aujourd'hui, à Versailles. La dauphine avait cédé, mais ses sentiments n'avaient pas changé pour autant. Au fond, la du Barry n'est point une méchante femme, c'est plutôt une bonne personne. Et l'on m'a dit qu'elle fait beaucoup de bien à de pauvres gens. Personnellement, j'ai cette femme en horreur. On
poussa un ouf de soulagement à Vienne et à Versailles. Une si petite phrase avait suffi à consolider une alliance, ce qui n'empêcha pas les commentaires de repartir bon train sur un autre sujet. Je l'ai aperçue hier au jardin, elle semblait tout à fait à l'aise. Ah, quoi qu'on en dise, elle garde le cœur autrichien, cela est bien clair. Tout à fait. Et il paraît que le mariage n'est toujours pas consommé. Cela ne m'étonne pas. Elle ne doit pas être tellement douée. Ou alors bien innocente. Et oui, la dauphine n'avait toujours pas donné d'héritier au trône de France. Marie-Thérèse ne comprenait pas et s'alarmait. Ses lettres se faisaient indiscrètes et pressantes. Il était du devoir de Marie-Antoinette de faire un enfant. Que se passait-il dans l'intimité de la dauphine et de son mari? Que faisait le dauphin dans le lit de sa femme, où il se rendait régulièrement? Chacun se posait la question. Peut-être que l'on sait assez les vérités saintes et que les fidèles n'ont pas besoin qu'on les instruise. C'est donc en vain, chrétien, que Dieu se plaint hautement par la bouche de son prophète Isaïe, que non seulement les infidèles et les étrangers, mais son peuple, oui, son peuple même, est mené captif pour n'avoir pas la science. Le temple de Dieu, mes sœurs, a deux places. Notre vie est ici fort monotone. Madame, reprenez. Marie-Antoinette n'aimait pas lire. Elle préférait le chant, la danse, la comédie. Mais il était hors de question qu'elle s'adonnât trop souvent à ce genre de plaisir. Madame Étiquette n'aurait pas autorisé cela. C'était le surnom que Marie-Antoinette avait donné à la comtesse de Noailles, chargée de la surveiller et de la maintenir dans les règles de ce carcan instauré par Louis XIV et qui codifiait toute la vie à la cour. Le dauphin ne lui était d'aucun secours. Il était timide, réservé, taciturne, et passait des journées entières à se fatiguer à la chasse, ce qui ne pouvait guère arranger ses nuits avec Marie-Antoinette. Il ne manquait pourtant pas d'intelligence, ni de curiosité intellectuelle. Seul dans son cabinet, il rêvait de voyages et de grandes expéditions maritimes. Côté amant, il ne progressait guère. Marie-Antoinette n'était toujours pas enceinte. Frustrée, elle passait une partie de son temps avec les enfants de ses domestiques. Comment? Qu'est-ce que je vois? Quel est ce désordre? Ce n'est rien. Ce n'est rien, madame de Noailles. Allez, disparaissez! Disparaissez! Il est difficile avec madame de Noailles de bien s'entendre sur des choses en dehors de l'étiquette. Louis XV vieillissait et se fatiguait. 50 ans de règne et de libertinage avaient usé le monarque. Marie-Antoinette voyait s'approcher avec angoisse le jour où elle serait reine de France.
Le 8 juin 1773, les dauphins et la dauphine firent leur entrée solennelle dans Paris. Le peuple en liesse acclama ce jeune couple porteur de toutes les promesses. Madame, vous avez devant vous 200 000 amoureux. Atteint par la petite vérole, vit venir sa fin. Il agonisait, dans le faste de Versailles, couvert de pustules, dégageant une odeur pestilentielle. Majesté, il faut vous recommander à Dieu. J'ai beaucoup de regrets, mon père. Celui de n'avoir peut-être pas fait assez pour le peuple, pour la France. Madame, ma très chère mère, que Dieu veille sur nous. Le roi a cessé d'exister dans le milieu du jour. Hier, il a demandé l'extrême onction qu'il a reçue dans des sentiments de piété admirables. Mon Dieu, guidez-nous. Nous sommes trop jeunes pour régner. Le dauphin Louis-Auguste devenait roi sous le nom de Louis XVI et Marie-Antoinette devenait reine de France. Ils héritaient d'un royaume en crise. Les trois ordres qui le constituaient, seul le tiers-état, c'est-à-dire les bourgeois et le peuple, payaient des impôts. La noblesse et le clergé en étaient exemptés, alors qu'ils détenaient la terre et les hautes charges lucratives. Son royal protecteur, Madame du Barry, quitta Versailles sans tarder.
Pour la reine, l'étiquette était devenue un modèle de complexité et de contraintes toutes plus effarantes les unes que les autres. Je me lève à 9h, on m'habille, je dis mes prières du matin. Ensuite, je déjeune et de là, je vais chez mes tantes. À midi, ils arrivent tous. Je mets mon rouge, je me lave les mains devant tout le monde. Mes journées sont bien remplies. Je ne lis rien, je ne fais rien de mes 10 doigts. Et cependant, je suis occupée au point de ne savoir où prendre une minute. Ensuite, les hommes sortent. Les dames restent. Et je m'habille devant elles. Tous les gestes de sa vie quotidienne étaient minutieusement réglés selon un ordre strict où la notion de préséance, de rang, l'emportait sur toute autre considération. Passer sa chemise à la reine était un privilège dû à la plus proche parente du roi. La comtesse de Provence, l'aînée des belles-sœurs du roi, qui arrive en retard, arrache la chemise des mains de la duchesse d'Orléans, soudain devenue indigne puisque de rang inférieur. Pendant ce temps, la reine grelottait. Les repas se prenaient souvent en public, selon un très vieux protocole. La reine en était réduite à faire bonne figure, en attendant que le roi, qui avait un solide appétit, ait fini de dîner. C'était insupportable. Elle étouffait dans ce carcan d'un autre siècle qui perdurait sans que personne ne songeât à y mettre fin. Il lui fallait s'échapper de cette cour et de ses contraintes pour respirer enfin. Souvent, elle quittait discrètement Versailles à la nuit tombante pour aller à Paris. Parfois pour se rendre au bal de l'opéra et parfois, secrètement, pour s'introduire dans un cercle de jeu. Se mélangeaient noblesse débauchée, aventuriers en tout genre et dames de petite vertu. On affectait de ne pas la reconnaître. Jamais une reine de France n'avait osé ce genre d'escapade. Elle avait pris goût aux cartes et jouait pendant des heures contre des habitués, quelquefois tricheurs professionnels. Elle a probablement perdu beaucoup d'argent. Personne ne connaît la somme exacte. Et elle non plus. Évidemment, ces escapades ne restèrent pas longtemps secrètes. Tout se sait, à Paris et à Versailles. Le roi lui offrit le petit Trianon construit dans le parc de Versailles sous le règne précédent pour la Pompadour. Marie-Antoinette, qui rêvait d'un lieu bien à elle, était folle de joie. Elle entreprit aussitôt d'aménager les jardins à grands frais. C'était si amusant. Venez, madame de Polignac. C'est si calme, si paisible, on se croirait à la campagne. La cour, quoi qu'on en ait, est plus triste que gaie. Ici, nous serons bien. Trianon était son refuge. Elle y invitait ses amis proches. Un petit cercle d'intimes se créait et faisait des jaloux. Viendrez-vous aujourd'hui sur le grand canal avec moi? Oui. Le prince de Ligne pourrait se joindre à nous, peut-être. Ah oui, oh, quelle bonne idée. Madame de Polignac, toujours gaie, était devenue l'amie indispensable. J'ai entendu dire qu'il était tombé. Les mauvaises langues prétendirent aussitôt qu'elles entretenaient des rapports intimes. Je suis si contente de vous avoir auprès de moi. Et moi, je bénis le ciel chaque jour de vous avoir rencontré. Voilà maintenant que la reine passait pour lesbienne. Elle était à Trianon tout l'été. La cour s'en offusquait. La reine négligeait ses devoirs, d'autant que le roi n'y couchait jamais. « Ce n'est pas ainsi que vous ferez des enfants », lui écrivait sa mère, furieuse. Son coiffeur Léonard et sa modiste Rose Bertin venaient de Paris 3 fois par semaine et restaient des heures avec elle. Jeune, belle, elle voulait lancer les modes. « Tes coiffures se porteront moins haut cette année. » « Tant mieux, on ne pouvait plus passer les portes. » En tout cas, c'est à votre majesté de le dire. J'ajoute une boucle, ici. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Cela équilibrerait l'autre côté, pourtant. Oui, mais la dissymétrie a du charme. Non, pas de boucle. Léonard inventa pour elle les poufs,
ses coiffures extravagantes qui allaient devenir la cible des caricatures. Petite, le bateau. Ce fut l'époque des premiers pamphlets. Majesté. Ces brochures anonymes que les colporteurs vendaient dans les rues. Ils émanaient à coup sûr de Versailles. Si Marie-Antoinette se douta de la provenance, elle n'y attacha aucune importance. Elle était tout à ses caprices. Sa mère avait beau la tenser dans ses lettres, tous ses plaisirs bruyants ne sont pas convenables. Marie-Antoinette n'écoutait plus rien, ni personne, s'étourdissant de fêtes et de fantaisies. On recevait souvent à Trianon des invités triés sur le volet. Le roi venait quelquefois. On se déguisait, on jouait des rôles. Ce soir-là, Marie-Antoinette était limonadière. Dieu que c'était divertissant. Majesté, de la part de votre humble servante. Grand merci, madame. Tout le plaisir est pour moi. On était dans ce pays-ci, indifférent à toute autre réalité que celle de Versailles. Le roi pourtant savait. Son royaume s'enfonçait dans une crise financière aiguë. Les hivers rigoureux, suivis de mauvaises récoltes, allaient bientôt précipiter la crise. Et Axel de Fersen fit son entrée dans la vie de la reine. Ce bel officier suédois devint très vite un intime. Il avait sa chambre à Trianon, qu'il ne se privait pas d'utiliser pour ses aventures galantes, quasiment sous les yeux de la reine, qui lui pardonnait tout. Monsieur le comte ? Elle l'aimait. Il faut dire qu'il était beaucoup plus séduisant que Louis XVI. Je vous dérobe un instant. Rien ne pourrait m'être plus agréable, madame. Et Fersen semblait lui aussi très sensible au charme de la reine. Les mauvaises langues repartirent de plus belle et leur prêtèrent une liaison. Personne n'a tenu la chandelle et donc personne n'en sait rien. Louis XVI était-il naïf au point de ne pas faire surveiller sa femme ? Marie-Antoinette était-elle assez frivole pour risquer sa situation ? Certes, elle avait grandement besoin de consolation. S'ils ont été amants, et rien n'est moins sûr, c'est de toute façon beaucoup plus tard. Pour l'heure, le royaume attendait d'elle un héritier. Au château, le couple se retrouvait de nouveau dans le même lit et ne faisait aucun progrès. Louis XVI descendait pourtant d'une lignée d'hommes, de Henri IV à Louis XV, qui était réputé pour avoir le goût de l'amour. Apparemment, il n'en avait pas hérité. Il restait un piètre amant. On l'obligea à consulter un médecin qui parla d'une petite opération sans se décider à la préconiser pour de bon. Le bruit se répandit, on en fit même des chansons. Les âmes pieuses, elles, priaient. Marie-Antoinette était indifférente aux rumeurs. Elle continuait de voir Fersen. On n'allait tout de même pas l'empêcher de plaire. Vous vouliez me tuer ? Que non ! J'en mourrais de chagrin. Le roi était incapable de faire le moindre reproche à sa femme. Peut-être trouvait-il normal qu'elle préférât d'autres compagnies à la sienne. Car ce roi-là n'aimait guère le monde. La cour et son agitation constante le fatiguaient. On le voyait parfois se promener sur les toits du château. C'était le seul endroit, disait-il, où il pouvait être seul un moment. Roland ! Viens là ! Il lui arrivait de travailler des heures à de gros travaux, s'épuisant à la tâche avec bonheur. Non, non, ça va, messieurs, ça va. Ce sont des feuilles de plomb que vous mettez sous l'ardoise ?
Il faut au moins deux crochets pour les fixer sur le lito. Oui, en effet. Votre Majesté. Je peux ? Oui. La jolie reine sophistiquée ne pouvait admettre ces plaisirs vulgaires qui n'étaient pas dignes d'un roi. Ah, bonjour. Madame. Monsieur, vous avez l'air d'un paysan qui vient de quitter sa charrue. Oui, j'arrive, tais-toi. Je... À tout de suite. Le royaume de France allait mal. La reine était la cible idéale. Les pamphlets se multipliaient, l'accusant, entre autres, d'être stérile. Marie-Antoinette avait été une dauphine aimée, à l'avenir plein de promesses, que malheureusement, la reine n'allait pas tenir. Elle méprisait ses pamphlets et ses caricatures, qui ne pouvaient émaner du peuple. Le peuple l'aimait, forcément. D'ailleurs, elle était aimable. Sa cour le lui disait. Que pouvait-elle savoir de ce que pensait réellement le peuple ? Quel crédit, mon Dieu, accordé à des chansons. À Paris, tout se chante. Et si on se préoccupait de pareilles sottises, on ne vivrait pas. Ce qui me peine le plus, c'est l'obstination de certaines gens me représenter comme une étrangère. Toujours préoccupée de sa patrie, française à contre-cœur. C'est indigne. Certains ont même déjà commencé à appeler le petit Trianon le petit Vienne. C'est inadmissible. Oh, ce n'est pas si grave. Les Français sont tellement versatiles. Au fond, c'est une excellente nation. Surtout que vous en êtes la reine, madame. Marie-Thérèse en avait assez d'échanger des lettres avec sa fille, prodiguant conseils et remontrances sans jamais voir aucun changement dans son état. Elle dépêcha à Paris Joseph, le frère de Marie-Antoinette, roi de Hongrie et empereur d'Autriche. Marie-Antoinette n'était pas rassurée. Elle savait bien que son frère, qui pourtant l'aimait, venait lui faire des reproches. Et elle n'avait guère envie d'affronter ses remontrances. Dites-moi, ma très chère sœur, fait-elle tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences de votre union ? Il me semble que oui, mais il ne s'agit pas de cela. Mais Joseph était là pour percer le secret de la couche royale. Louis expliqua ses problèmes et ce qu'en disaient les médecins. Joseph, de son côté, donna des conseils précis, tout en pestant intérieurement contre la bêtise de ses médecins et la maladresse naïve de son beau-frère. Le roi était probablement affligé d'un phimosis. Une étroitesse du prépuce qui le faisait souffrir dès qu'il voulait bouger et aller au bout de son plaisir. Cet inconvénient pouvait se résoudre seul, avec le temps, ou d'un coup de bistouri. On ne sait quelle solution choisit Louis XVI. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, le mariage était enfin consommé. Marie-Antoinette pouvait écrire la nouvelle à sa mère. Le roi avait même réitéré l'épreuve une deuxième fois avec le même succès. Au bout de 7 ans, il était grand temps. Enfin, on pouvait espérer un héritier, et du coup un peu de sagesse dans l'esprit de Marie-Antoinette. Mais le résultat se faisait attendre. Mon cher frère, j'espérais bien vous apprendre cette fois ma grossesse. Mes espérances sont encore reculées. Mais j'ai grande confiance que ce n'est pas pour longtemps. Le roi, vivant tout à fait avec moi. Le couple vivait enfin dans une harmonie presque amoureuse. Comment vous portez-vous ? Merveilleusement. Je suis si heureux. Si heureux. Oh, excusez-moi, j'allais me nettoyer les mains. Très bien. Mais au-delà des grilles de Versailles, le peuple souffrait. Dans certaines provinces, il avait faim. De mauvaises récoltes avaient provoqué un début de disette.
L'orage doucement commençait à gronder. Le couple royal n'entendait pas. Le roi était cependant conscient des difficultés de son royaume. Il s'inquiétait du nombre croissant d'indigents qui mendiaient dans Paris. La virulence des pamphlets qu'on osait lui montrer le troublait. Mais comment gâcher la quiétude de la reine ? Il ne lui dit rien. Parce qu'à Versailles, c'était le bonheur tant attendu. 8 ans après son mariage, la reine était enceinte. Elle avait 22 ans. Les choses de la vie reprenaient un cours normal et rassurant. À la cour, on pariait sur le sexe de l'enfant. Tous attendaient un futur roi. Et le 18 décembre 1778, non sans difficulté, Marie-Antoinette accoucha. L'événement très attendu se passa en public, ou presque, comme c'était l'usage. Il fallait des témoins pour assurer que l'enfant était bien né de la reine. Elle semble souffrir beaucoup. C'est peut-être un siège. Les frères du roi étaient aux premières loges. En cas d'absence d'une postérité mâle, la couronne leur reviendrait, à condition encore de survivre à leur frère aîné. Ce fut Marie-Thérèse, Charlotte. Une fille. Le hasard fait parfois bien les choses. Le hasard, mon cher, c'est la providence qui semble nous avoir en grâce. Venez. Marie-Antoinette avait failli laisser sa vie, mais elle était enfin mère. Elle était très attentive à sa fille, la petite Madame Royale, ce qui ne l'empêchait pas de continuer allègrement à jeter l'argent par les fenêtres. Elle fit élever, près du Trianon, un temple antique, aménager un belvédère. Bref, de quoi payer la solde de plusieurs régiments, de quoi nourrir quelques milliers de Français. Sans compter le cabinet des glaces mouvantes, où des miroirs faisaient office de volets pour masquer les fenêtres. C'était très nouveau, c'était très cher. Qu'en dites-vous ? C'est très ingénieux. Elle passait de plus en plus de temps à Trianon avec ses amis intimes. La cour se sentait méprisée, et se répandait en propos fielleux. La noblesse traditionnelle s'exaspérait de cette reine si peu conforme à leurs vœux et qui ne respectait pas assez l'étiquette. Non, non, voyons, nous sommes entre amis. Je voulais vous montrer quelque chose. Quoi donc ? Pendant ce temps, la flotte française affrontait les Anglais dans la Manche. N'est-il pas magnifique ? Marie-Antoinette s'en inquiétait dans les lettres à sa mère, mais l'oubliait complètement dès qu'elle était dans son cher Trianon, où l'on s'amusait d'un rien, où l'on riait de tout. Permettez ? Vous l'aimez ? C'est celui que je préfère. Sa passion pour les bijoux commençait à coûter cher à l'État. La rumeur, évidemment, augmentait les chiffres. On finissait par se persuader que la reine ruinait la France. Super. Elles sont super. Mon cher monsieur Beaumère, nous les prenons. Excellent choix. Excellent choix, votre majesté. Oh, Rosine, la compagne de malheureux, sans fortune, sans naissance. La naissance, la fortune, laissons-la les jeux du hasard. Et si vous m'assurez que vos intentions sont pures... Oh, mais Rosine, je vous adore. Arrêtez, malheureux. Vous osez la reine adorait la comédie. Elle fit donc construire un théâtre à Trianon. Ce soir-là, elle jouait Beaumarchais, un auteur à la mode, pourtant contestataire. Mais avant de t'abandonner au remords qui t'attend, apprends que je t'aimais.
Apprends que je faisais mon bonheur de partager ton mauvais sort. Misérable Lindor, j'allais tout quitter pour te suivre. Mais le lâche abus que tu as fait de mes bontés et l'indignité de cet affreux comte Almaviva, à qui tu me vendais, ont fait rentrer dans mes mains ce témoignage de ma faiblesse. Oh, la plus aimée des femmes, il n'est plus temps de vous abuser. Marie-Antoinette, en toute innocence, jouait le barbier de Séville qui vilipendait la noblesse et ses privilèges, sans se rendre compte, de moins du monde, de la portée subversive de cette petite comédie. Allons nous promener vers les fontaines. 29 novembre 1780. Marie-Antoinette reçut une nouvelle qui la bouleversa. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, sa mère, venait de mourir. Majesté. Majesté. Vous n'êtes pas bien. Il fallait dire adieu à l'amour d'une mère, à cette femme dure et fascinante. Il fallait dire adieu à l'enfance. Marie-Thérèse emportait avec elle le souvenir de la petite princesse qu'elle avait été. Marie-Antoinette était orpheline. Le 22 octobre 1781, la reine accouchait. Le roi avait demandé que cette fois on éloignât la masse des courtisans pour ne garder que la famille proche. Un garçon, enfin. On le nomma Louis-Joseph. La naissance d'un dauphin était fêtée dans toute la France, sauf par les frères du roi, dont on chuchotait qu'ils avaient eux-mêmes lancé quelques pamphlets contre la reine. Leur chance d'accéder au trône s'éloignait. Cette naissance tant attendue ne changea rien au climat d'hostilité générale. À Paris, dans les provinces, le blé manquait. La révolte montait d'un cran. Des groupes d'affamés attaquaient les entrepôts des marchands qu'on accusait de spéculer sur le grain et la farine. Alors toi, cette naissance n'arrange pas nos affaires, n'est-ce pas ? Qui sait de quoi est fait l'avenir ? Réjouissons-nous. Maintenant, l'avenir du trône est assuré. Il était déjà de toute façon. Venez, allons nous promener. Mon cher, ne cédez pas à l'impatience ou au dépit. N'oubliez pas, la Providence veille. La reine, sourde et aveugle, semblait prise d'une frénésie de dépenses. Alors, les échantillons directement arrivés de Lyon. Et aussi de Venise. Magnifique. On a dit une comme ça. Une comme ça. Trois comme celle-là. Celle-là, le tissu brodé oui. Rouge. D'accord. D'accord. Avec le rouge. Rose Bertin venait chaque semaine lui présenter ses nouveaux modèles. Marie-Antoinette achetait jusqu'à 170 robes par an. Pendant ce temps, la famine de 1782 décimait une partie de la France. On l'accusait d'avoir dit « Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. » Magnifique. Elle ne l'a jamais dit, mais des libelles de plus en plus venimeux lui prêtaient les pires propos et l'appelaient « Madame Déficit ». Alors la légèreté, très léger, très confortable. Avec une surprise. Voilà. Étonnant. Parfait. Louis XVI changeait les ministres qui se succédaient en vain. Le trésor était vide. Pour donner l'illusion de la prospérité, Calonne, contrôleur général, multipliait les grands travaux, mais aussi les faveurs, creusant le déficit. J'adore.
La reine était loin de ses préoccupations. Majesté, Majesté, pardonnez-moi Majesté, je voudrais attirer votre attention. Que voulez-vous ? J'aimerais attirer l'attention de Sa Majesté sur quelques chiffres. Allez donc voir le roi. Mais aller voir le roi ne servait à rien. En 1784, Paris comptait plus de 500 000 indigents, ce qui n'empêchait pas Louis XVI d'offrir à sa femme, cette année-là, le château de Saint-Cloud et puis celui de Fontainebleau, qu'elle fit entièrement aménager. Le retour à la nature était le dernier précepte à la mode. Il fallait absolument en être. La reine fit donc construire à l'intérieur du parc de Versailles une petite ferme, le hameau. On engagea des gens pour faire les paysans et Marie-Antoinette joua à la fermière. Il y avait de vraies vaches, une laiterie pour faire le beurre, un poulailler où les poules pondaient gentiment, un pigeonnier, des lapins, un étang. La reine prenait cette vie très au sérieux. Elle décidait des semences et des engrais. Elle goûtait les fromages et les fruits. Elle employait un homme pour chasser les taupes, un autre pour tendre des pièges aux rats. À la cour, on mangeait les produits du hameau. Les courtisans, hypocrites, s'extasiaient. Pourtant, les poissons de l'étang avaient, dit-on, un fort goût de vase. Si peu que ce soit, nous luttons contre les déficits. Nous vivons des produits de la ferme. Un déficit qu'aggravait l'aide militaire que la France accordait désormais officiellement à Washington et aux insurgés américains dans leur lutte pour l'indépendance. On s'étourdissait dans un cache-cache trompeur pour ne pas soulever le masque posé sur la France. Versailles brûlait près de 10 000 chandelles par jour. Le coût d'une seule chandelle équivalait au salaire hebdomadaire d'un ouvrier. Mais la reine l'ignorait. Comment l'aurait-elle su ? Elle continuait à ne pas voir le monde au-delà des arbres et des grandes eaux de Versailles. Monsieur ! Monsieur de Versailles ! Paris ne la clamait plus quand elle s'y rendait en de rares occasions. Les libelles la dépeignaient maintenant en débauchée, cruelle, vendue corps et âme à l'Autriche. C'est alors qu'éclata la fameuse affaire du collier, qui allait passionner toute l'Europe et porter à Marie-Antoinette le coup de grâce. Mon associé et moi-même, nous avons mis plus de 15 ans pour assembler les plus belles pierres d'Europe. Des pierres dignes de vous seul. Vous ne vous rendez pas compte. C'est plus cher qu'un bateau de guerre. Majesté, cela ne se compare pas. Les deux objets n'ont pas le même usage. Le cardinal de Rohan portait un des plus grands noms de France. Homme fastueux, libertin et vaniteux, on l'appelait la Belle Éminence. Ancien ambassadeur de France à Vienne, il avait déplu à l'impératrice et la reine ne l'aimait pas. Il en était dépité à l'extrême. Il rencontra une certaine comtesse de La Motte, qui prétendait descendre des Valois et disait « ma cousine » en parlant de Marie-Antoinette. Une femme aussi ambitieuse et retorse que le cardinal était aveugle. Il me veut l'honneur. Comme vous le savez, je suis une amie intime de l'aventurière la reine. Réussit peut-être à persuader Rohan qu'elle pouvait le faire entrer dans les faveurs de la reine. Pour ce faire, elle commença par lui extorquer de larges sommes. Puis elle apprit l'existence du fabuleux collier. Avec l'aide de son amant Réto de la Villette, repris de justice et habile faussaire,
Elle imagina aussitôt un plan audacieux et subtil pour s'en emparer. Peut-être Rohan pourra nous être utile dans cette affaire. Je crois que c'est une excellente idée. Je sens que ça marche. Voilà, mon cher. Merci. La comtesse remit au cardinal une lettre qu'elle disait de la reine et qui affirmait son intention d'acheter le collier par le biais d'un intermédiaire. Le cardinal, impressionné et trop heureux, ne remarqua pas que la reine n'aurait jamais signé Marie-Antoinette de France, mais Marie-Antoinette tout court. C'est inespéré. Je sais. Je reviens. Les reines signaient de leur seul prénom. Enfin, les deux escrocs mirent la touche finale. La Villette trouva une comédienne prostituée à 16 heures, Marie Leguet, dite Mademoiselle d'Oliva, qui ressemblait vaguement à Marie-Antoinette. Il la persuada de rencontrer la comtesse pour l'aider dans une affaire délicate. Mademoiselle, vous êtes libre ? Bien sûr, vous avez besoin de copine. En quelque sorte, vous êtes vraiment très jolie. La comtesse proposa à Mademoiselle d'Oliva de jouer, pour un court moment et sans aucun danger, le rôle d'une grande dame. La comtesse de Lamotte avertit le cardinal que la reine voulait le rencontrer en secret, à minuit, sur une des terrasses de Versailles. Il s'y rendit, le cœur battant. Vous savez, je crois, ce que cela veut dire. Bien sûr. La reine, le cardinal, était au comble du bonheur. Il se porta aussitôt garant de l'achat du collier qui serait payé discrètement par son intermédiaire. Votre éminence ! En présence d'un personnage aussi illustre, personne ne pouvait soupçonner un instant qu'il s'agissait d'une vulgaire escroquerie. Le collier fut remis à la comtesse de Lamotte, qui entreprit aussitôt, avec l'aide de son complice, de le dessertir et de vendre les diamants un à un en Angleterre, avec l'intention de disparaître rapidement une fois le coup réussi. Jamais fait. Chaque chose, petite pierre. La reine, loin de toutes ses malversations, accouchée d'un troisième enfant. Elle était heureuse de donner au roi un second fils. Cependant, comme aucun versement ne lui était parvenu, le bijoutier Baumeur s'inquiéta, écrivit et finit par se rendre à Versailles pour demander respectueusement à la reine la somme due. Majesté, je viens concernant notre affaire. C'est à une importante réduction que nous avons consenti. Bien entendu, nous garderons le secret quant au prix du bijou. Monsieur, mais de quoi me parlez-vous ? Je ne me suis engagée à rien. Mais... Je n'ai rien signé. Je ne comprends pas votre requête. Oui. Pris de panique, car il était menacé de faillite, Baumeur demanda audience au roi. Voyez, j'ai reçu cette lettre signée de la main même de Sa Majesté. Visiblement, c'est un faux. Ce n'est pas l'écriture de la reine. Je vous l'avais bien dit. Vous pouvez disposer. La reine était indignée. Elle démontra au roi que toute l'affaire avait été montée pour la compromettre. Le cardinal de Rohan était un escroc. Il était coupable de lèse-majesté. Le roi décida de le faire arrêter, en plein Versailles. On l'enferma à la Bastille et on instruisit son procès. L'affaire du collier Paris, c'est son... L'affaire eut un énorme retentissement. La réputation de la reine étant ce qu'elle était, ce fut elle que la rumeur publique accusa de mensonge. Rohan se défendit avec conviction. J'ai vu cet écrit, signé de la reine. Comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait d'un faux ? Je suis moi aussi une victime dans cette affaire. Les magistrats comprirent vite que la comtesse de Lamotte était la vraie coupable. Elle fut condamnée à être fouettée en public, marquée au fer rouge et emprisonnée. Quant au cardinal, on le déclara non coupable, à 3 voix de majorité. C'était pour la reine une défaite humiliante.
Monsieur, le jugement qui vient d'être prononcé est une affreuse insulte. Il vous faut faire quelque chose. Absolument. Je vais agir sans tarder. Cela me paraît la justice même. Les ovations du peuple à Rouen à sa sortie du tribunal. Quelle ingratitude à mon égard. Mais j'espère, grâce à votre soutien, un jour triompher des méchants. Le roi exila Rouen en province. Cette décision fut considérée comme une marque de faiblesse, une compensation accordée à la reine, une faute de plus. Une reine est coupable, disait-on, quand on peut la croire coupable. À partir de l'affaire du collier, l'opinion publique bascula en majorité contre Marie-Antoinette. Le pamphlet de la reine, une chanson par pamphlet. Allez, venez en grand nombre. Voilà, merci beaucoup. Le pamphlet de la reine, allez, ici, le pamphlet de la reine. Par ici, l'histoire du collier. Voilà, une petite pièce en échange. Merci, monsieur. Passez une belle journée. Voilà, merci pour la pièce. L'histoire du collier. Les pamphlétaires menèrent une véritable campagne ordurière. Jamais sans doute, personnage royal n'avait été l'objet d'autant de haine déclarée. Approchez-vous, le pamphlet de la reine, le pamphlet de la reine. Une chanson par pamphlet. Allez, monsieur dame, approchez-vous en grand nombre, approchez-vous. Histoire du collier, par ici, le déficit de madame. Nous sommes dans une épidémie de libelles. On en a fait sur toutes les personnes de la cour, hommes et femmes. Et vous-même, mon cher, n'êtes pas épargné. Que l'on puisse parler de vous en ces termes, madame, c'est monstrueux. Comment agir? Comment trouver les auteurs et les empêcher de nuire? Sommes-nous en mesure maintenant de contrôler ses excès? Elle commit une grave erreur en négligeant l'importance de l'opinion. Fille d'impératrice, devenue reine, elle était à sa place de droit divin. C'est ainsi, et cela le resterait. L'ordre du monde ne pouvait pas changer. Les années suivantes a surpassé leur déficit. Elle prenait une part de plus en plus active aux affaires de l'État, ce qui n'arrangeait pas son image. Puis on attaqua le roi. Les famines se succédaient depuis 1775. Celles de 1782 et 1785 laissèrent les campagnes exsangues. Paiement fait par les receveurs généraux. Le Parlement de Paris, composé de bourgeois aisés et de juristes, rêvait de réduire le pouvoir du roi. Il entra en conflit ouvert avec Louis XVI, refusant d'entériner de nouveaux emprunts. Etc., etc. Il faut composer avec le Parlement et proposer une meilleure répartition des impôts. C'est à ce prix que nous réduirons le déficit et reviendrons à la prospérité. Cela est hors de question. Il nous faut lancer de nouveaux emprunts et qu'importe si le Parlement refuse, nous passerons outre. Vous êtes le roi et avez toute prérogative pour mener le pays comme il se doit. C'est peut-être vous qui avez raison, madame. Majesté, avec tout le respect que je vous dois, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous... Oui, je connais déjà vos sentiments à ce sujet. Messieurs, j'aimerais bien connaître votre opinion, s'il vous plaît. Majesté, si on se fie à ces chiffres, que sera la vérité ? Le feu prenait dans toute la France. Le roi et la reine ne voyaient toujours rien. L'hiver fut glacial. La famine reprit. La situation devenait catastrophique. Il fallait de l'argent, de nouveaux impôts, des réformes. Le Parlement de Paris refusait toujours et exigeait maintenant la convocation d'États généraux. Louis XVI était désemparé, mais profondément convaincu qu'on ne pouvait pas, qu'on ne devait pas contester son pouvoir. Mon cher ami, je ne sais plus que faire. Il ne faut surtout pas vous laisser abattre, madame. La religion et le droit sont de votre côté. La reine ne donnait sa confiance qu'à son cher Fersen. Mais l'aristocrate suédois était aussi un esprit démodé. Le peuple mécontent était pour lui une canaille qu'il fallait mater. Et la valse des ministres continuait. Marie-Antoinette obtint du roi qu'il rappela Necker, un banquier genevois qui avait déjà été directeur général des finances en 1777.
C'est là, sire, la meilleure décision à prendre. Le royaume entier attend un geste. Espérant que vous ayez raison. Necker ne voyait lui aussi qu'une solution. La convocation des États généraux. Les États généraux étaient une assemblée élue constituée des représentants des trois ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-État. Des cahiers de doléances qui récoltaient les mécontentements de tous les Français furent rédigés à l'attention de l'Assemblée. Ils exigeaient tous une meilleure répartition des impôts. Jamais vous n'auriez dû signer cette convocation. Vous donnez assez de l'importance à ceux qui remettent en cause vos décisions. Je ne pouvais faire autrement. Le mécontentement est trop grand dans le royaume. Le 5 mai 1789, Louis XVI et Necker ouvrirent les États généraux. Les rapports entre les élus et le souverain furent dès le début exécrables, mais personne ne songeait encore à se défaire de la monarchie. Le 4 juin 1789, le fils aîné, Louis-Joseph, mourut. Il avait toujours été un enfant chétif et malportant. C'était le deuxième enfant que le couple perdait en moins de 2 ans. En 1786, la reine avait donné naissance à une seconde fille qui ne vécut que quelques mois. Ces deuils les frappaient dans une période d'adversité qui ne leur laissait guère le temps de pleurer leurs enfants morts. Le pain manquait dans Paris. Des troubles éclataient chaque jour. Les députés du tiers-État contestaient le mode de scrutin qui donnait automatiquement la majorité à la noblesse et au clergé, alors qu'ils étaient les plus nombreux. J'ai 30 000 hommes aux portes de Paris qui interviendront si le besoin se fait sentir. Cette révolte ne demeurera pas impunie. Sire, le tiers-État ne défie pas votre pouvoir. Il ne réclame que la reconnaissance de ses droits. On ne partage pas le pouvoir avec un roi. Il est cependant vrai que le tiers-État a le soutien du peuple. Faites envoyer la troupe, sire. Et le problème sera réglé. Je vous le déconseille, Majesté. Cela n'engendrera que plus de troubles. Ce n'est pas mon avis. Ni celui de ceux en qui j'ai toute confiance. Au revoir, monsieur. Dans la salle des États généraux, les événements se précipitaient. Quelques élus du clergé et de la noblesse se désolidarisaient de leur ordre et venaient rejoindre les élus du tiers-État. Louis XVI fit immédiatement fermer la salle des débats. Le 20 juin, les élus se réunirent dans la salle du jeu de paume et prêtèrent serment de donner à la France une constitution. Le 9 juillet, les trois ordres ne formaient plus qu'une seule assemblée qui se proclama constituante. Le pouvoir royal était sérieusement ébranlé. Necker était populaire. Son renvoi enflamma le peuple de Paris. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, symbole du pouvoir absolu. Le 16 juillet, le roi cède. Necker est rappelé. Mais il est très vite débordé et ne parvient pas à dominer l'Assemblée. La révolution venait de commencer. Pris de panique, les courtisans quittaient Versailles en masse. Louis XVI fit venir de Flandre un autre régiment. Les soldats provoquèrent de nouveaux désordres. Versailles était vide. Marie-Antoinette se sépara douloureusement de Madame de Polignac. Il faut partir.
Il n'y a plus un instant à perdre. Le peuple de France est devenu fou. Tout le pays est soulevé. Partir, mais où? À Vienne, sans hésiter. Mon frère nous accueillera et nous aidera à mater l'émeute. Est-ce que nous ne cédons pas à une frayeur excessive? Après tout, de nombreux régiments sont encore fidèles au roi. Même les députés nous respectent. Si nous partons, nous risquons de donner une image d'abandon, de trahison. J'estime qu'il est de notre devoir de rester. Si nous restons, nous sommes perdus. Je le sais, je le sens. Les Français me haïssent et je ne sais même pas pourquoi. Madame, je comprends vos craintes. Mais je crois que nous devons nous rallier à l'idée du comte de Provence. Mais monsieur, réfléchissez. Monsieur, j'ai déjà donné mon opinion. Cette décision, Louis XVI devait souvent la regretter. Mais ce jour-là, la reine elle-même ne réussit pas à le faire fléchir. J'ai peur pour les enfants et pour moi. Nous sommes réellement menacés. Je ne sais quel parti prendre. Mais il serait lâche de partir maintenant. Sans quitter la France, quittons au moins Versailles et éloigner l'Assemblée de Paris. Ce n'est pas possible. Jamais les députés n'accepteront cela. Ils vous doivent obéissance. Êtes-vous toujours le roi de France? Autant que vous en êtes la reine. Autant que vous en êtes la reine. Dans la nuit du 4 août, le clergé et la noblesse renoncèrent enfin à leurs privilèges. Un monde nouveau venait de naître. Le 26 août, l'Assemblée publiait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le 5 octobre, des milliers de Parisiens, affamés, en colère, marchèrent sur Versailles, décidés à ramener les souverains à Paris de gré ou de force. Sauvez-vous, Votre Majesté! Vite! Vite! Le 6 au matin, la foule envahit le château. Sous les fenêtres et bientôt dans les couloirs, on entendait crier « À mort! À mort !» Qui sont tous ces gens? Le roi et la reine, stupéfaits, hagards, ne comprenaient toujours pas. Ce qu'ils avaient pris pour une révolte était bel et bien une révolution. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, la reine découvrit en face d'elle ce qu'elle ne connaissait pas, ce qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Le peuple. Elle en vit le dénuement, la misère. Elle en vit aussi la haine et la colère. Cette colère qu'aucun geste royal ne pouvait plus apaiser. Une époque s'achevait et l'histoire s'emballait. Les désirs de la foule étaient désormais des ordres. De Versailles à Paris, le voyage en carrosse dura 6 heures. Interminable. On installa le roi, la reine et leurs enfants aux Tuileries. Fersen, ami toujours fidèle, veillait sur la famille royale. Mon cher ami. Madame, comment vous portez-vous? Bien. Bien. Je suis journellement abreuvée d'injures et de menaces. Je ne puis paraître à une fenêtre sans être insultée par une populace ivre à qui je n'ai jamais fait le moindre mal, bien au contraire. Madame, je vous en conjure, partez. Prenez vos enfants et quittez Paris. Pardonnez-moi si je continue à me refuser de quitter. Songez donc que je ne m'appartiens pas. Mon devoir est de rester là où la Providence m'a placée. Je serais indigne du nom de ma mère si le danger me faisait fuir, loin du roi et de mes enfants. Mais madame, justement, vos enfants. Elle se décida. À son tour, elle convainquit le roi. Le 20 juin 1791, en pleine nuit, le couple royal avec ses enfants et un entourage réduit réussit à s'échapper des Tuileries.
Clairsen avaient organisé la fuite. Ils prirent rapidement la route de l'Est, espérant gagner l'Autriche. Le roi n'avait pris que des précautions insuffisantes pour cacher son identité. Ils furent arrêtés à Varennes et ramenés à Paris pour leur plus grande honte. Cette fuite anéantit définitivement la confiance qu'avait encore le peuple dans son roi. Louis XVI, avant son départ, avait commis l'erreur de laisser une lettre qui condamnait point par point la Révolution. Cette lettre fut découverte et rendue publique. Placés sous surveillance, jour et nuit, traités comme des prisonniers, ils devenaient des personnages encombrants. Le principe de toute souveraineté était maintenant dans la nation. Une constitution avait été votée. L'Assemblée légiférait. Le roi conservait un droit de veto. La foule aussitôt baptisa Louis XVI et Marie-Antoinette, Monsieur et Madame Veto. Tu plains ? Non, pas là. Des députés de plus en plus nombreux souhaitaient l'avènement de la République. Marie-Antoinette se battait encore. Elle s'entremettait, discutait avec des parlementaires modérés et suppliait le roi de résister. C'est bien, Marie-Thérèse. À cette époque, Marie-Antoinette écrit : ces peines à soi sont un poids trop lourd à supporter. Et si mon cœur ne tenait pas par des liens aussi forts à mes enfants, souvent je désirerais succomber. Les clubs révolutionnaires armaient le peuple et le lançaient à l'assaut de ceux qui restaient de la monarchie. Le 20 juin 1792, des émeutiers envahirent les Tuileries. Les gardes suisses, chargés de la protection des souverains, furent massacrés. Monte sur ton trône ! Monte ! Sous la direction de Santerre, chef de la garde nationale, les émeutiers s'emparèrent du roi. Messieurs ! Messieurs ! Messin ! Le roi dut sacrifier au rite républicain. Tu vas lever ton verre à la santé de la nation, citoyen. Je bois à la santé du peuple de France. De la nation ! Je bois à la santé de la nation. Marie-Antoinette elle-même fut livrée à la foule en armes. Elle fit face, courageusement. La présence de l'enfant adoucit sans doute les émeutiers. Ils épargnèrent la famille royale. Marie-Antoinette était terrorisée par les progrès de la Révolution. Il n'y avait plus rien à attendre de l'intérieur. Elle correspondait secrètement avec l'Autriche et l'Allemagne, incitant à une coalition contre la France. Mais l'ennemi aux frontières déclencha une vague de patriotisme dans la jeunesse française qui s'enrôla en masse pour sauver la nation. Une nouvelle assemblée fut élue qui prit le nom de Convention et proclama la République le 22 septembre 1792. Le roi fut déchu de son autorité et la famille royale enfermée à la prison du Temple. Une étrange vie de famille s'installa. Est-il possible que je sois destinée à passer mes jours dans un tel siècle, avec de tels hommes ? Alors que la politique révolutionnaire se faisait de plus en plus dure, il ne restait qu'un seul espoir, la victoire des armées étrangères. Un manifeste hautain, signé par le duc de Brunswick, chef des coalisés, affirmant que Paris serait rasé si la vie des souverains était menacée, mit la France en fureur. Les
troupes ennemies franchirent les frontières. La nation était en danger. Pour sauver la France, il fallait frapper l'Europe de stupeur. Mit le roi en accusation. Son procès fut instruit à la va-vite. Il s'agissait de marquer un point de non-retour par un sacrifice exemplaire. Il s'agissait d'en finir non pas avec le roi, mais avec la monarchie. Condamné à mort par la Convention à une voix de majorité, Louis XVI fit ses adieux à sa femme et à ses enfants. Le 21 janvier 1793. En septembre, la reine fut transférée à la prison de la Conciergerie, abandonnée à son sort par l'Autriche. Marie-Antoinette fut séparée de son fils, privée de ses objets personnels et mise au secret. La jeune République était menacée à l'intérieur comme à l'extérieur. La Convention décréta la terreur. Les têtes tombaient. Il fallait éliminer les tièdes, les indécis. Chacun maintenant craignait pour sa vie. Marie-Antoinette servit de bouc émissaire. Favoritisme scandaleux. Dilapidation sans frein, cruauté. Haine contre le peuple. Reine coquette, reine catin, bête féroce, carnassière, venimeuse. Louve autrichienne, archi-tigresse qui affamait volontairement le peuple. Paillarde, lesbienne, criminelle, incarnation du mal qui rêvait de boire le sang des Français dans leur propre crâne. Le comité de salut public, sous l'impulsion de Robespierre et de Hébert, décida de faire le procès de celle qu'on appelait maintenant la veuve Capet. Elle était accusée de trahison, d'intelligence avec l'ennemi, non sans raison, et d'avoir dilapidé le trésor national. Il fallait un geste fort, définitif. Pour tous ces documents, madame... Nous n'aurons jamais le temps de vous préparer une défense efficace. De toute évidence. Vous avez raison. Je vais écrire au président de la Convention pour lui demander de m'accorder 3 jours de plus. 3 jours. Cela fera une différence. Nous devrions commencer. La Convention les lui refusa. Tout au long de son procès, la reine se défendit avec intelligence et force. Vous n'avez jamais cessé de détruire la liberté.
Vous vouliez remonter au trône sur les cadavres des patriotes. Nous n'avions pas besoin de remonter sur le trône puisque nous y étions. Quel intérêt portez-vous à la République ? Le bonheur de la France est celui que je désire par-dessus tout. Pensez-vous que les rois soient nécessaires au bonheur des peuples ? Aucun individu ne peut décider de cela. Que répondez-vous aux accusations d'inceste portées contre vous ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles présentes ici. Le poison n'est pas de ce siècle-ci. C'est la calomnie qu'on emploie. C'est un moyen plus sûr pour tuer. On retourne et on envenime les choses les plus simples et les plus innocentes. On aveugle sans cesse le bon bourgeois, on enivre la populace. On nous peint comme des êtres sanguinaires qui veulent égorger tout Paris. Quand nous sommes prisonniers sans pouvoir, quand nous voudrions racheter le bonheur de la France au prix de notre propre sang. Quelques heures après la fin de son procès, elle connut la sentence. Citoyenne Capet, le tribunal vous condamne à être exécutée demain à l'aube. Les témoins disent qu'elle quitta la salle sans une parole, sans donner le moindre signe de faiblesse ou d'indignation. Sa dernière lettre fut pour sa belle-sœur, Madame Elisabeth, à qui elle ne parvint jamais. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère, comme lui, innocente. J'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père. Qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'avais des amis. L'idée d'en être séparée pour jamais et leur peine sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu.